Et salut à toutes et à tous, ici c'est RastaGamer et on se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode du guide de survie pour Minecraft. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous les conseille et sinon nous allons commencer. Alors 13ème épisode, est-ce que ça va nous porter chance ou non? Je n'en sais rien, enfin j'espère. Parce que pour l'instant, il faut dire que c'est un petit peu la catastrophe. Donc, si vous n'avez pas vu le 12ème épisode, eh ben, on a essayé un peu de chercher une jungle. Sans réel succès, malheureusement. Et nous sommes tombés sur cette forêt. Qu'en vérité, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas visiter cette forêt parce que c'est pas le but des épisodes de l'épisode que j'ai prévu. Et puis on a d'autres choses à faire, il faut que je trouve cette jungle, parce que là c'est la crise. C'est la crise mondiale. Donc là vous voyez. Ça c'est une forêt de chênes noirs pour ceux qui n'en ont jamais vu. C'est extrêmement dense. Et c'est clafi de mobs à l'intérieur, parce que vu qu'il fait sombre, bah, il ne brûle pas au soleil, et donc il reste. Voilà, donc je vais passer sur les toits. Vous voyez, il y a des champignons géants qui y poussent, alors qu'avant on pouvait en trouver que sur la map Mushroom. Je ferai une vidéo sur une map Mushroom pour vous montrer, si j'arrive à en trouver une. Ça veut dire que c'est extrêmement rare. Mais bon, voilà, elle a l'air pas mal dense, cette forêt. Aïe, voilà, ça c'est fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir vers là-bas. Et bien, on va bien voir. On va bien voir. Sur quoi est-ce que l'on va tomber? Alors, rassurez-vous, hein, je vais pas encore vous montrer la traversée de l'océan. Parce que ça va vous gaver. Ah, il y a encore une forêt noire ici. Et là-bas, il y a un âne. Dommage que j'ai pas de laisse. J'aurais récupéré cette âne. Bon, c'est bon à savoir, remarque. Il y a des chevaux vers ici, on pourra venir les récupérer. Regardez, il y a une mule. Ah non, c'est un âne. Il y a un âne ici. C'est magnifique. Bon, alors on va partir vers là-bas. Et on va voir, alors je vais me refaire un bateau parce que je vais encore destroy le mien. Alors, un petit bateau. Hop, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le craft la dernière fois, c'est l'occasion. Je le pose. Hop, on va récupérer ça. On va récupérer ça, j'ai dit. On va récupérer ça. Pourquoi je peux pas? J'ai plus de place. Génial. Qu'est-ce que je vais jeter? Ploum ploum, ça c'est bon, j'en ai pas besoin, allez. Alors, allez. Allez. Bon allez, on part vers là-bas. Mini coupure et on se retrouve quand j'ai trouvé ce que je cherche. Et voilà, me revoilà ici. Alors, ça fait très 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 longtemps que je tourne et en fait je me suis tombé sur une rivière qui traversait le désert et je me suis dit bon ça va servir à rien, je vais traverser. Mais en fait j'ai pensé que on n'a pas vu encore la map désert ensemble. Donc du coup eh ben, je connecte un peu la vidéo maintenant, j'ai encore pété mon bateau, ça devient une maladie. Je vais récupérer un petit peu des cactus. Voilà, parce qu'on n'en a pas en plus à la maison. Donc je récupère toutes les fournitures que je peux récupérer. Voilà, donc j'en prends que pas beaucoup, parce que de toute façon on pourra en récupérer. Et écoutez, voilà. On va continuer à pied, on va voir où c'est qu'on va tomber un peu. Parce que ça m'a gonflé le bateau moi, et en plus on va plus vite comme ça. Alors je vais mettre un peu en hauteur, histoire de voir si on tombe pas sur une pyramide. Bon ça m'étonnerait, avec la chance que j'ai. Oh bah t'es. C'est déjà la fin du désert. Pas de pyramide à l'horizon. Voilà la magie de Minecraft. Hein. C'est un mini oasis.
Hop, alors le mini oasis. Oasis is good. Là on a de la pierre de sable, donc ce n'est pas une construction, hein. C'est juste de la pierre de sable. Là, je vais faire une connerie. Voilà. Donc on va aussi en récupérer un peu. C'est très fragile. J'ai l'impression d'être créatif. Attends, créatif, tellement que ça va vite avec une pioche en James. Ah mais j'ai plus de place. Bon alors les œufs, j'en veux pas. La chair de zombie, j'en ai pas besoin. Gâteau. J'ai récupéré quoi là? Mon four, j'en ai un déjà. Le cuir, non. Quoique le cuir, j'aurais dû le garder. C'est pas grave. Allez, donc je vais essayer de pas récupérer ça. J'ai entendu. C'est quoi que j'ai récupéré? C'est pas grave. Donc voilà. Non, c'est pas ça. Bon, allez. Vous savez, je vais faire prendre perte dans le désert. Bon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis tombé dans un troux. Oh, du fer. J'en ai déjà. Alors. Bon, bah, c'était un petit oasis. Hein. Oasis, oasis, le puits de l'oxus. Allez. Oh, oh, alléluia. On va pouvoir enfin faire un vrai épisode. Putain, c'est pas trop tôt. Oh non, me dis pas que c'est que ça. C'est aussi petit. Oh, je vais pleurer, j'en ai marre. Non, c'est pas aussi petit. Nah, ça continue derrière. Ça va, j'ai eu peur. Alors, attendez, que je me mette à jour dans ma tête, là. Qu'est-ce que je bug? Par où est-ce qu'on va se poser? Se poser. Je sais pas. La map est en train de charger. Un peu mou du cul la map. Hein. Ouais. Un endroit où c'est plat. Oh non, il va faire nuit. Allez, je sais ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai ma cisaille sur moi? Parfait. Alors. Oh, je bug. C'est moche. Oh, il y a plein d'animaux. Oh, bah, il est lent. C'est le zoo ici. Alors. Oh, qu'est-ce que je bug? Allez, arrête. Arrête de bugger. Ah. Il y a trop d'animaux. Ça me fait bug. Ça me fait bugger. Je vais couper juste en attendant que la map elle charge autour de moi. Et oula oui. Allez. Ok, ça a l'air de s'être calmé. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bah rien en fait, je disais rien du tout. Oui, donc j'avais pris ma cisaille. Je fais attention parce que je fais nuit. Et je vais aller couper des lianes. Et me planquer en haut d'un arbre. Oh non, c'est bon. J'ai du diamant, on va pas chipoter. Hein. Allez, merci, petit enfant. Petit enfant. Je suis un meurtrier d'enfant même. Ok. Là-bas, il y a un Enderman. On va le laisser tranquille. Tranquille, je l'aurais dit à toutes les vidéos. Où suis-je? Je suis perturbé là, je suis pas dans mon élément. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'animaux ici hein? Ça fait de fou. Ah là-bas, j'ai des fèves de cacao. C'est quoi ça? C'est quoi ça? 2 secondes. Oh, oh mais c'est cool. Oh, j'y suis jamais allé là-bas. Putain, j'y suis jamais allé. Oh, cool. Bon, bah écoutez, je découvre. Oh, putain, je suis jamais venu ici. Ah, je connais pas du tout. C'est la mesa, ça s'appelle, je crois. Putain, c'est vide.
Pardon, c'est bien. Aïe. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Crève. Bitch. Oh, j'ai posé mon premier pied sur la maison. Aïe, en pleine nuit. Hop, esquive. Allez, mais meurs. Je supporte plus ces putains de squelettes, là. Ça devient une hantise. Je suis... Oh, putain. Et toi, là? Oh, je supporte plus ce jeu. J'en peux plus. Allez, va tuer le squelette qui te tire dessus, le fils, là. Allez. Allez, mais crève, toi. Bouffant, va. Alors, ça ressemble à ça. Oh, waouh, mais c'est classe. Putain, je kiffe. Ah, oh, mais il devrait en faire plus souvent, des trucs comme ça. Hein. Bon, écoutez, on va faire un peu de récolte. Parce que les zombies vont nous emmerder, j'ai pas l'impression. Bon, on va récolter un petit peu de tout ça. Voilà, du sable rouge. Il est beau en plus celui-là. Là. Pour faire des chemins, c'est cool ça. Je vais en prendre beaucoup. Putain, pourquoi il y a des... Qu'est-ce que j'ai fait au bon lieu? Allez, virer. Oh putain, je suis content. Et ça, c'est de la pierre rouge aussi, là. Ça donne quoi? Ça, c'est de l'argile, non? Comment qu'ils appellent ça? C'est où? Ah putain, je l'ai pas ramassé, j'ai trop de trucs. Comment je vais faire? Oh! Putain! Bon, écoutez, je crois que c'est vraiment un 13... un épisode 13 qui porte chance. Parce que, après la mesa, là-bas, nous avons un temple abandonné. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser un coffre là-dedans, là-bas. De façon à pouvoir... Aïe! Oh! Je vous viole, les squelettes. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je vous viole tous. Oui. Mais en plus, il me tire à l'aveugle. Comme ça, là. Tu t'es cru chez mémé, toi. Meurs. Allez, crève. J'aime pas la nuit. J'aime pas la nuit. Allez. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai trop de trucs, là. L'épisode, il va durer longtemps. Hein. Oh, toi. Mais toi. Hop. Hop. Allez, viens. Petit, petit. Aïe, merde. Je l'avais pas vu. Oh, j'ai pas de pomme en or pour te sauver la vie, mon petit. Bon, eh ben, du coup, je me suis fait... Non, mais aussi, là, deux contre un, c'est... Oh, putain, j'en ai marre. J'en ai marre de ces squelettes, là. Paix à vos oreilles. Bon, ok, c'est bon, ça m'a gavé. Bye bye. Aïe. Vas-y, tu vas encore me tirer dessus, là, non? L'actier. Aïe, voilà. C'est tellement mieux comme ça. Aïe. Oh, bordel. Allez, je vais aller m'enfermer là-dedans, hein, si je trouve l'entrée. Alors, l'entrée. Ah, des pastèques. Je la ramasserai tout à l'heure, faut que je fasse un coffre d'abord. Alors, l'entrée de ce truc, je ne la trouve jamais. Oh, eh bien, je l'ai trouvé. On peut grimper par là? C'est bizarre ça. Comment ça se fait? Ah oui, d'accord. Alors, ça c'est pas le genre de truc que j'ai souvent visité. Alors, on va faire attention parce que je sais pas. Il paraît que c'est piégé. Perso, j'ai jamais eu de problème de piège. On peut aller derrière là-bas, non? Je ne sais même pas ce que je vais trouver. Il y a des coffres là-dedans d'habitude? Je ne sais pas. La jungle, c'est pas un endroit que je visite souvent. Je regarde... C'est quoi ça? Ok, avant de toucher à tout ça, là... Je vais... Ça sent... Il n'y a pas de plaque de pression. Mais ça sent le piège, là. Je peux comprendre. Ah ah ah.
Va falloir que je fasse gaffe. Ah ben voilà, j'ai trouvé. Aïe! Oh mais quel con! Faut que je mange. Je savais bien qu'il y avait un truc. Ici, c'est piégé. Aïe! Oh. Ah, je savais bien. Ah oh, bah je vais le récupérer ça. Donc ouais, c'est une espèce de fil et dès que vous marchez dessus. Oh, j'ai pas de place. Et dès qu'on marche dessus, eh ben on se fait tirer comme un lapin avec ça. Ça c'est pas un piège. Qu'est-ce qu'on a... Wow, super, je me suis cassé le cul pour rien. Bah alors ça va être l'occasion de jeter des chaises. Du sable comme ça, j'en ai rien à cirer. Qu'est-ce que je vais jeter? Mon blé, j'en ai plein à la maison. Les os, je vais les prendre. Ploum, ploum, les bois de bouleau, je m'en fous. La neige, je vais la garder. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux jeter? Oh, allez, mon pain. Je sais pas là, il y a tout qui me sert. Bon allez, tant pis, j'aurai pas de trucs durcis. Je vais récupérer. Oh quoi que non, les crafters à nous. Bon bah écoutez, y a rien. Et ça sert à quoi? À rien. Ah. C'est quoi qui s'est ouvert? C'est quoi qui s'est ouvert? Ça aussi, je déteste là. C'est quoi qui s'est ouvert? C'est là-haut? Autant ça va être un spawn de bâtard. Peut-être derrière. J'ai ouvert quoi? Là-haut peut-être. J'ai ouvert le toit? Je sais pas, j'ai fait quoi là? Bon bah je deviens fou. Ah bah si, attendez, on va y retourner. Ah que ça. Pourquoi je bug aujourd'hui là? C'est pas possible ça. Allez, tant pis, on réduit un petit peu la distance. Ah, c'est mieux. Alors c'est quoi qui s'est ouvert? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette biome. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Autant je suis passé à côté, j'ai même pas fait attention. Bon bah écoutez. Y a une plaque de pression, hein? Où est-ce qu'il y a une plaque de pression? Ah non! J'avais pas vu, mais quel con. Oh, je vais récupérer les flèches à l'intérieur. Ah, ça c'est bien. Voilà. Je serais pas venu pour rien, moi. Bon bah écoutez, hein, tant pis. Je croyais que ça avait ouvert quelque chose, mais apparemment c'est juste histoire de me rendre fou. Bon alors, on n'est pas là pour ça. Je vais récupérer les pastèques. On en replantera à la maison. Alors où c'est que je les ai vus? Aïe! Oh, c'est encore lui? Mais je sais pas ce que je lui ai fait, mais il mange vraiment. Pastèque, elle est là? Non? Où elle est? Elle est là. Voilà. Je les replanterai à la maison. Non, ça a rien ouvert. Hein. Bon, c'est bizarre. Alors après, des fèves de cacao. Où est-ce que j'ai vu des fèves de cacao? Elles sont là. Je vais pas en prendre beaucoup. Parce que de toute façon, je pourrais les replanter à la maison. J'en ai combien? J'ai déjà encore faim. Mais. Bon, allez, on va aller dans la mesa là-bas. Alors est-ce que j'ai besoin de récupérer autre chose ici?
si je voulais récupérer des lianes. Alors vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer, voilà. Avec la cisaille, on peut récupérer des lianes. Alors, il suffit de faire un clic dessus avec. Et on peut récupérer des lianes. Qu'après on peut poser comme on le veut. Ça fait des... de la déco. Alors moi je vais en prendre pour décorer ma maison. Voilà. Donc ça, j'ai récupéré un truc que j'ai pas besoin. Non, bon, je vais pas récupérer. Alors on va retourner dans cette maison. Si le jeu décide de marcher. Je vais essayer de pas mourir de faim, ce sera pas mal. Bon, en tout cas, il y a énormément d'animaux. Je pense que c'est ça qui doit me faire bugger à mort. Là. Donc on va quitter la jungle. Parce que c'est ça qui me fait bugger. Allez, voilà, ici on sera bien. Donc oui, j'ai pris énormément de temps pour trouver cet endroit, mais écoutez, c'était pour la bonne cause. Hein. Je voulais récupérer de la pastèque et des fèves de cacao. Je l'ai fait. J'ai mes lianes, c'est parfait. J'ai ce que je voulais. Alors désolé d'avoir pris un peu de temps pour trouver ça. Mais c'était pour la bonne cause. Je tiens à vous montrer le plus de trucs possible. Alors je le fais. J'ai posé ça là. Je vais me faire cuire mon entrecôte. Je vais manger un peu de pastèque. Ils appellent ça un melon d'eau. Tranche de melon d'eau. Comme une chipote. Je vais récupérer un peu de celle-là. Moi j'aime beaucoup la jaune. Parce qu'en fait je récupère parce que je vais voir si après on va faire quelque chose avec ça. Parce que vu que je connais pas, je vais prendre un stack de chèques. Hop là. Vu que je ne l'ai jamais utilisé cette chose, ça sera l'occasion de découvrir encore des trucs avec vous. Voilà, de la orange. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? J'en ai aucune idée. Peut-être des colorants. Bon, franchement, je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est très sympa pour faire une map survie là-dedans. Là. Va falloir que je me débrouille pour récupérer le... le seed ou le spawn, je sais pas comment je vais faire. Je vais me débrouiller avec ça. Je veux revenir ici. Même pour faire une map multi, c'est super. J'imagine un Hunger Game là-dedans, hein, c'est la folie. Alors de la blanche, est-ce que je vais avoir de la place pour la prendre? Évidemment non, ça serait trop beau. Bon tant pis la neige, hein. J'en ai un petit peu. La jaune j'aime bien. Check, check, check. Alors la jaune, comment je vais la... ça je m'en servirai pas. Ça c'est vraiment pas cool là par contre. Hein, que j'ai pas de place. J'aurais dû installer le mode sac à dos. Non après c'est de la triche et plus de la survie. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près tout ce que j'ai besoin. Je vais manger. Et on va gentiment se rentrer à la maison. À la maison. Ça je n'ai pas besoin. Mais qu'est-ce que je vais virer encore? Ça déjà j'aurais dû le poser avant de partir, j'ai fait le con. Hein. Je ne sais pas. Surtout qu'il va falloir que je pêche aussi. J'avais oublié ça. Bon, on pêchera à la maison. Hein. Qu'est-ce que je peux jeter? Bon, allez, ça.
Voilà. Bon, je vais tout laisser là, hein, tant pis. Et on va gentiment se rentrer à la maison. Parce que ça va être très 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 long. J'espère que je vais retrouver ma maison. Ça m'inquiète. Et bah, suite au prochain épisode. Alors, je me nourris pour la route. Normalement, j'aurais du poil assez pour le steak. Voilà. Ça, je serais bien rassasié. Oui, bah écoutez. Je vais couper, je vous épargne ça parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et demie. Et on se rejoint bah, dès que j'ai retrouvé ma maison. On va planter tout ce qu'on a récupéré. Et la vidéo, elle s'arrêtera là, je pense. Allez. Ok, alors je commence à reconnaître un peu où on est là. Je pense qu'on n'est pas loin. Alors si je ne me trompe pas, là-bas il y a ma planque. Il y a mon ancien abri. Et là normalement on devrait y être là. Ça... Oula non il y a des chevaux. Non non il n'y a pas de chevaux d'habitude. On n'y est pas. Il y avait des chevaux, je me rappelle plus. On a un cheval du coup. Ah bah si c'est bon. Là-bas il y a mon portail. Bon alors j'ai. Là c'est 11 h 40. J'ai pris exactement 32 minutes pour retrouver ma maison. Donc oui. J'ai dû faire une tuerie de cochon pour manger. Mais bon, voilà, maintenant je suis là. Bonjour monsieur. Je suis en train de me demander. Ça, on peut pas le planter comme ça là. Ça a même pas poussé? C'est une blague. On peut pas le pousser, le planter comme ça. Comment on fait déjà? Ah bah ben, comme ça. Voilà, suffit de demander. Alors. Oh, j'ai oublié, c'est pas grave. Ah mais si, c'est grave. Oh my god. J'ai oublié de récupérer du bois d'acajou. Mais est-ce que je vais pouvoir le... Oh non, 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 c'est une blague. Oh mais j'arrive là et boum, j'oublie. Oh super, parce qu'évidemment ça marche pas. Oh putain, alors là. Mais ça c'est le pompon. Donc je suis en train de vous expliquer ce qui se passe. Parce que j'ai oublié. J'ai oublié. De récupérer du bois d'acajou pour pouvoir planter mes fèves de cacao. Je n'ai pas une pousse, j'ai que dalle. Donc en gros, j'ai des fèves de cacao, mais je n'ai même pas de quoi les faire pousser. Et donc, eh bien, je vais devoir y retourner. Je vais devoir y retourner. J'ai envie de chialer là. Clairement, j'ai envie de chialer là. Bon, comment je vais faire? Bah tant pis, j'y retournerai une autre fois. J'y retournerai une autre fois. Donc on va aller ranger tout ça. On va aller ranger tout ça. Faut que je regarde à quoi ça sert la glaise. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, je vais vous dire merci de m'avoir suivi. Je vais vous dire qu'on se retrouve très rapidement pour l'épisode 14, que c'était un épisode chance, donc l'épisode 13 nous a porté bonheur. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ben pas grand-chose. Hein. La prochaine fois, je pense qu'on va faire un épisode tranquille, où je vais récupérer quelques animaux à mettre dans mon enclos. Qu'est-ce que je vais faire? On va planter ces graines de cacao parce que je vais aller chercher du bois. Beaucoup de bois, comme ça moi je serai tranquille. J'ai encore dit tranquille. On va faire notre table magique et notre truc d'alchimie. Et à l'épisode 15, donc dans 2 épisodes, on fera un épisode spécial magie et alchimie. On va faire ça. Et dans l'épisode 14, on va aussi planter nos verrues. Donc allez, encore merci de m'avoir suivi. Et...
Et ciao, 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 bye bye.